Notre thème de ce jour est en latin. Perseverare divinum est. Sous-entendu, in Deum. In Deum, hein, persévérer en Dieu. In orationem, hein, divinum est. Nous connaissons l'aphorisme qui dit errare humanum est. Se tromper est humain. Dit l'aphorisme latin. Se tromper est humain. L'erreur est humaine. C'est ça. Errare humanum est. On traduit généralement dit l'erreur est humaine. Sed perseverare diabolicum. Si nous disons persévérer en Dieu, dans la prière, est divin. Nous tirons ça des lectures du jour, le thème. Dans la première lecture, vous avez entendu le verset facile à retenir. Galates 3:3. Dites à votre voisin, Galates 3:3. Dans Galates 3:3, Paul dit ceci. Oh Galates, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez terminer par la chair. C'est ça, l'étonnement de Paul. Hein? Pour Paul, vous connaissant le thème général de l'épître de Paul aux Galates, vous comprenez que commencer par l'esprit, c'est commencer par la foi en Jésus-Christ. Vouloir terminer par la chair, c'est vouloir adopter, vivre les prescriptions de la loi mosaïque, notamment la circoncision. Vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez commencé par l'esprit. Mais maintenant, quand vous voulez vous faire circoncire, vous, Galates, vous commencez à vouloir terminer par la chair. Vous avez commencé par l'esprit, continuez par l'esprit, achevez par l'esprit. Ne commencez pas par l'esprit pour terminer par la chair. C'est ça qu'il leur dit. Mais vous connaissez la problématique de l'épître aux Galates. Les Galates, des gens sont venus les troubler en leur disant, si vous ne vous faites pas circoncire, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et eux commettent l'erreur de vouloir maintenant se faire circoncire. Et Paul leur dit, l'essentiel dans la vie chrétienne, ce n'est pas la circoncision, c'est de devenir une nouvelle créature. Si vous vous faites circoncire, vous sortez de la grâce. Vous tournez le dos à la grâce du Christ. Alors là, vous devez appliquer toute la loi mosaïque. Alors, oh, Jésus vous a libéré de toutes les prescriptions de la loi mosaïque. Mais quand vous retournez à la circoncision, alors obéissez en détail à tout ce que Moïse a prescrit. Vous avez commencé par la chair, terminé par l'esprit. Ça, c'est le conseil qu'on peut donner. Mais quand vous avez commencé par l'esprit, continuez par l'esprit, terminez par l'esprit. Amen. Amen. Regardez votre voisin, dites-lui Galates 3:3. Quand vous commencez par l'esprit, terminons par l'esprit. Parce qu'il y a beaucoup de frères comme ça, même dans l'église, hein, ils commencent par l'esprit. Ils voient une sœur, ils commencent à causer avec la sœur. Oh sœur, voilà, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et après ça devient je t'aime. Le frère là avait commencé par les... par la parole de... mais on commence à terminer où? Par la chair. C'était Dieu t'aime, maintenant je t'aime. Quand vous commencez par l'esprit, continuez par l'esprit et achevez par l'esprit. Amen. Quand vous êtes venu ici, vous êtes venu chercher Dieu. Les gens viennent à l'église pour chercher Dieu, pour chercher Jésus-Christ. Tu es encore dans l'esprit. Mais à force de rester, quand tu restes la routine, tu commences à chercher autre chose. Tu commences à être plus attentif à tel frère, à telle sœur, à tel détail de l'église. Alors que toi, tu étais venu pour chercher Dieu. Tu as commencé par l'esprit, persévère dans l'esprit. Ne quitte pas l'esprit pour aller dans la chair. Tu as commencé par l'esprit, continue par l'esprit et achève dans l'esprit. Donc, hein, persévérare in spiritum divinum est. Persévérer dans l'esprit et divin. Donc il faut persévérer dans l'esprit. Tu as commencé comment? Oh, moi je suis venu, c'était pour servir Dieu. Mais j'arrive ici, on me donne des responsabilités. Maintenant, tu oublies Dieu que tu étais venu servir. Tu t'accroches maintenant aux responsabilités.
Tu as commencé par l'esprit, tu commences à terminer dans la chair. Galates 3, 3. Texte à retenir. Galates 3, 3. Quand on commence par l'esprit, on doit continuer et achever dans l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire dans la spiritualité. Nous avons commencé avec la spiritualité. Hein? Continuons toujours dans la spiritualité. Ne changeons pas de domaine. Ne changeons pas d'objectif. Quand tu es venu, tes objectifs étaient spirituels. Qu'ils demeurent spirituels. Tu es venu à l'église. Toi, tu n'es pas venu pour être caissière ou caissier. Mais alors, il arrive qu'à un moment, on te confie l'argent de l'église. Compte l'argent. Sois raison. Maintenant, tu ne pries plus. Toi, tu commences à compter l'argent. Moi, c'est ma pensée à l'argent de l'église. Hein? Tu oublies. Même quand tu dois exhorter les gens, tu dis, bien-aimé dans le Seigneur, ayons l'amour. L'amour. Aimons-nous les uns les autres comme ça. Aimons-nous les uns les autres. Hein? Soyons, hein, aimons la prière. Donc, tout ce que lui fait, c'est toujours ça, c'est toujours à l'argent. Aimons la prière. Aidons les pauvres. Donc, l'argent. Il y a des jeunes gens qui sont venus à l'église. Hein, ils sont venus chercher Dieu. Alors, il arrive à l'église, il trouve un vieux. La jeune fille trouve une vieille de l'église qui la détourne de son objectif. Elle est venue dans l'esprit. Alors, la grande sœur commence à dire, tu ne vois pas tel garçon, il t'aime. Tu ne vois pas telle fille, elle t'aime. Le garçon-là ne doit pas accepter. Nous sommes venus ici, nous avons commencé par l'esprit, nous devons continuer par l'esprit. Amen. Dis à ton voisin, ne me détourne pas de mon objectif. Je suis venu ici par l'esprit. Je dois rester ici par l'esprit. Hein, montre-moi des choses spirituelles. Dis à ton voisin, montre-moi des choses spirituelles. Montre-moi Jésus. Montre-moi le Père. Montre-moi le Saint-Esprit. Donc, Paul demande aux Galates de persévérer dans l'esprit. Dans les choses spirituelles. Venez à l'église pour Dieu et persévérez. Vous avez cru en Jésus-Christ. Continuez à croire en Jésus-Christ. Que personne ne vous détourne en vous présentant la circoncision. Vous n'êtes pas venu ici pour être circoncis. Nous ne sommes pas dans une infirmerie. Ça, c'est première lecture. Deuxième lecture, on nous présente l'ami important. J'ai déjà prêché sur l'important important. Cet ami a des visiteurs nocturnes. Et il a aussi un autre ami qui vend du pain. Il est allé la nuit pour demander du pain pour ses visiteurs. Mais son ami l'a dormi. Jésus dit, s'il frappe à la porte, il demande à son ami, prête-moi 3 pains. Si cet ami-là ne sait pas lui ouvrir la porte par amitié, il lui ouvrira la porte et lui donnera ce dont il a besoin, même à cause de son importunité. Parce que celui-là, son ami l'a importuné, l'a dérangé. Alors Dieu, Jésus prend cet exemple-là pour nous, pour dire, persévérez dans la prière. Frappez à la porte. Dieu ouvrira. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est ça l'objectif qui vous a amené ici. Vous êtes ici, vous venez chercher. Vous n'avez pas encore trouvé. Vous venez demander, vous n'avez pas encore reçu. Vous frappez, on ne vous a pas encore ouvert la porte. La porte de la santé, la porte de la fécondité, la porte de la réussite ne vous est pas encore ouverte. Et vous commencez à vous décourager. Ne vous découragez pas. Restez à la porte. Frappez jusqu'à ce que la porte vous soit ouverte. Demandez jusqu'à ce que Dieu vous donne. Ne rentrez pas main vide. Ne rentrez pas main vide. Cherchez jusqu'à ce que vous puissiez trouver. Tant que vous n'avez pas trouvé, cherchez. Dieu a dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Croyant ces paroles. Et Jésus va plus loin et dit, mais quel père parmi vous à qui son enfant demanderait du pain et ce papa l'a donné à cet enfant-là une pierre? L'enfant demande un poisson et le papa lui donne un serpent. Est-ce que vous avez un papa comme ça? Mais alors, comment vous qui êtes mauvais, vous savez donner
bonnes choses à vos enfants. Et Dieu, lui, ferait le contraire. Si vous demandez à Dieu le pain, il vous donne le pain. Vous lui demandez le poisson, il vous donne le poisson. Vous lui demandez l'œuf, il vous donne l'œuf. Amen. Tu es venu à l'église, tu demandes l'œuf, tu ne l'as pas encore reçu. Et tu pars, et tu te fâches, et tu laisses quelqu'un te détourner. Toi, tu es venu pour l'œuf. Toi, tu es venu pour le poisson. Toi, tu es venu pour le pain. Tant que tu ne les as pas encore reçus, ne pars pas. Ne laisse personne te distraire. Amen. Tu as des objectifs qui t'ont amené ici. Atteins-les au nom de Jésus. Reçois ce que tu es venu chercher. Que Dieu te donne. Ne laisse personne te distraire. Tu n'es pas venu ici pour t'occuper de la vie des uns et des autres. Tu es venu chercher le pain. Tu es venu frapper à la porte pour que Dieu t'ouvre. Tu es venu chercher. C'est ça l'objectif. Tu n'es pas venu ici en censeur pour voir les péchés de celui-là et les péchés de cet autre. Toi, tu es venu chercher. Tu sais ce que tu cherches. Tu connais tes combats. Tu connais tes guerres. Dans ta maison, les enfants sont malades. Dans ta maison, il y a telle malédiction. Dans ta maison, il y a tel problème. Tu es venu pour avoir la solution à ces problèmes-là. Que Dieu te console. Que Dieu te visite. C'est pour ça que tu es venu. Mais ne laisse personne te détourner de tes objectifs. Tu es venu ici dans ta famille. Qui a émergé? Qui a émergé dans la famille? Tu es venu chercher l'émergence de la famille. En cherchant Dieu, bien entendu, tu dis, si je trouve le royaume, Dieu me donnera aussi l'émergence de ma famille. Tu as des enfants malades. Tu es locataire depuis des années. C'est ça l'objectif, que personne ne te détourne. Tu veux sortir de la vie de locataire. Tu veux sortir de cette vie de péché. Tu as un problème de péché, de vol. Tu as un problème de mariage. Tu cherches les mariages. Tu cherches les opportunités. Tu as des blocages. Dans la famille, tout le monde est bloqué. Tu as un enfant très malade à la maison. Tu viens à l'église pour cette solution. Tu dois rentrer d'ici, non avec les informations sur tel et tel. Tu dois rentrer avec la réponse à tes questions. Seigneur, jusqu'à quand je vais continuer à souffrir? Jusqu'à quand je vais continuer à être locataire? Jusqu'à quand je vais continuer à être piéton? Tu dois sortir d'ici avec une solution. On vient à l'église pour sortir avec des solutions, pour rencontrer le Dieu vivant. Les gens venaient auprès de Jésus, pas pour voir ce que Judas faisait, pas pour voir ce que Jean faisait, mais ils venaient pour des solutions. Je suis malade, que Jésus me guérisse. C'est pour ça que tu es venu. Tu as commencé par l'esprit, continue par l'esprit. Il y a un Dieu qui écoute ta prière, qui donne une solution à tes problèmes, qui a des réponses à tes questions. Il y a un Dieu. Tu as abandonné ce pourquoi tu étais venu à l'église. Chaque fois que tu viens, tu ne regardes pas Jésus. Tu commences à regarder. Est-ce qu'il est là? Tel. Est-ce qu'elle est là? Tel. Tu ne regardes plus Jésus. Tu ne cherches plus Jésus. C'est le diable qui te distrait. Le diable est en train de te distraire. Tu n'es pas venu pour ça. Aujourd'hui, elle s'est habillée comment? Aujourd'hui, il s'est habillé comment? C'est pas pour ça que tu es venu ici. Pour voir les habits de tel. Pour voir ce que tel va faire. Tu es venu pour que Dieu résolve ton problème. Pour que tu rencontres Dieu et que le rencontrant, tu rentres chez toi différent. Pour qu'il change ta vie et change ton histoire. Tu es venu pour te faire pardonner. Alors comporte-toi en conséquence. Avec les blocages que tu as là, tu te laisses distraire quand tu es à l'église. Tu commences à venir à l'église pour regarder tel et commencer à les critiquer pour contrôler la vie de tel et de tel. Avec les problèmes que tu as, mais tu es un sorcier. Paul demande à la première lecture, Galates, qui vous a ensorcelé? Galates, qui vous a ensorcelé? Au point que vous commencez par l'esprit, vous voulez achever dans la chair. Qui vous a ensorcelé, Galates? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Ce problème que tu as là, tu
ne l'ont pas encore résolu. Et tu en ajoutes d'autres. Inutile. Sur les habits de tel, sur les cheveux de tel, sur tel mot placé par le prêtre, sur ce que le prêtre a dit à tel, c'est ça qui te préoccupe. Tu étais venu ici pour ça. Tu es venu ici pour sortir comme témoin, avoir un témoignage et dire au monde, Dieu répond à la prière. Dieu est vraiment vivant. Je l'ai rencontré. C'est pour ça que tu es venu. C'est pour ça que tu es venu. Alors dans l'enseignement, je vous donne quatre exemples. Des hommes et des femmes qui se sont fatigués, qui n'ont pas persévéré, qui ont commencé dans l'esprit, qui ont achevé dans la chair. L'exemple de la femme de Lot. Ils sont en train de sortir. Ils sont en train de sortir de Sodome et de Gomorrhe. L'ange leur a dit, ne regardez pas en arrière. Mais la femme de Lot, c'est pas attirée par un bruit ou par le souci des choses qu'elle avait laissées. La femme de Lot a regardé en arrière et elle s'est transformée en colonne de sel. Toi aussi avance, regarde de l'avant, ne regarde pas en arrière. Ce que les gens sont en train de dire, ce qu'ils sont en train de faire, la vie que tu as laissée derrière toi, ne la regarde plus, ne retourne plus à tes vomissures, ne regarde, ne te souviens plus du passé. Cette vie est déjà passée. Demande à Dieu que je sors de Sodome, je sors de Gomorrhe, je ne regarde plus en arrière. La femme de Lot est devenue un bloc de sel parce qu'elle a regardé en arrière. Regarder en arrière te bloque. Tu rates l'objectif de ta vie parce que tu regardes en arrière. Oh, j'avais ceci. Oh, j'avais cela. Même si ton passé était bon, ne le regarde plus. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Ne pense plus aux choses d'autrefois, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. N'y pense plus. Oh, le meilleur est devant toi. Femme de Lot, le meilleur est devant toi. Ne regarde plus en arrière. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Jésus t'a appelé. Avance. Ne retourne pas tes vomissures. Ne recule pas. Qui n'avance pas recule. Ne t'arrête même pas. Ne regarde pas en arrière. Tu as commencé par l'esprit. Continue dans l'esprit. Achève dans l'esprit. Fais comme l'ami important. Il est devenu important par sa persévérance. Persévère. Femme de Lot, avance. Femme de Lot, avance. Ne regarde pas en arrière. Sinon tu vas devenir un bloc de sel. Tu vas devenir une colonne de sel. Il n'y aura pas de progrès dans ta vie. Tu seras un bloc de sel. Un bloc de sel. Femme de Lot, ne regarde pas en arrière. Oh, j'étais comme ça. Oh, j'avais ceci. Oh, quand j'étais. Oh, quand. Non. Le meilleur est devant toi. Même le meilleur que tu as vécu dans le passé, Dieu les démonétise ce matin. Dieu les démonétise et te dit le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Ne vous souvenez plus du passé. Voici que je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Ne regarde plus en arrière. Persévère, avance. Grandis dans la foi. Qui est déjà retourné à sa culotte de bébé? À ses couches? Non! On doit grandir. Commence à dire, ça c'est ma vie passée. Ça c'est ce que j'étais. Je ne peux plus retourner à mes vomissures. J'ai déjà vomi cette vie-là. Des péchés, des paresses, des mensonges, des critiques, des jugements, d'impudicité. J'ai déjà renoncé à cette vie-là. Maintenant, je dois avancer. Je dois percer. Et c'est ça, persévérer. J'ai dit persévérer, c'est percer et vous verrez. Avancez et vous verrez. Même s'il y a un mur, percez-le et vous verrez. Il y a un roc devant vous. Percez-le
et vous verrez. Persévérez. Percez et vous verrez. Le deuxième exemple, c'est la femme de Job. La femme de Job. La femme de Job, son mari est fort, mais elle est faible. Elle dit à son mari, pourquoi persévérer dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. Job lui répondit, tu parles comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? En tout cela, Job ne pécha point en parole. La femme de Job ne voulait pas que Job puisse persévérer dans sa justice, dans sa sainteté, dans son intégrité. Pour elle, quand la souffrance nous exonère de la sainteté. Pour elle, quand on souffre, on est dédouané, on est exonéré de la sainteté. Quand on souffre, on doit pécher. Quand on souffre, tout nous est permis. Job lui dit, pas question, tu es folle. Si nous accueillons le bonheur, nous disant qu'il vient de Dieu, de la même manière, nous devons accueillir le malheur. Et Job ne pécha point en parole. Bien-aimé, tu dois persévérer. Même si dans ta famille, il n'y a pas d'argent, toi jeune fille, ne te prostitue pas. Oh, je souffre, comment je vais m'habiller? Tu ne dois pas te prostituer, tu ne dois pas faire le mal parce que tu souffres. Tu dois persévérer dans ton intégrité. Toi papa enseignant, même si on ne te paye pas bien, tu dois persévérer dans ton intégrité. Toi chrétien qui a des difficultés, l'enfant est malade, persévère dans ton intégrité. Ne déplace pas de langage, ne parle pas mal de Dieu parce que tu souffres. Même dans la souffrance, la louange doit continuer. Tu dois être comme Shadrach, Meshach et Abednego. Dans la fournaise de feu, ils ont chanté les louanges de Dieu. Tu dois être comme Paul et Silas. Ils étaient en prison. Ils n'ont pas déplacé le langage. Ils ont persévéré. Ils ont continué à louer Dieu. Tu as des difficultés. Tu ne vois pas l'argent. Tu ne vois pas ceci. Papa est malade. Maman est malade. L'enfant est toujours malade à la maison. Loue Dieu. C'est le moment propice pour le louer. C'est le moment propice pour l'acclamer. Quand il y a une maladie, ne tue pas ton malade avec tes paroles déplacées, avec tes paroles de mort. Ressuscite-le avec la louange. Ton malade là, ressuscitera par la louange. Ton travail là, ressuscitera par la louange. Ton sein, oh ta femme stérile, ressuscitera. Non pas avec tes lamentations, non pas avec tes larmes. Les chaînes de Paul et de Silas sont tombées par la puissance de la louange. Le feu n'a rien fait à Shadrach, Meshach et Abednego par la puissance de la louange. C'est quand tu as des problèmes, quand le feu de la souffrance monte, le feu de la louange doit aussi monter. Plus le feu de la souffrance monte, plus doit monter celui de la louange. Loue Dieu dans ta détresse, bénis-le dans tes souffrances et tu verras le miracle. Car c'est lui qui bénit le Seigneur dans la souffrance. C'est lui qui dit du bien de Dieu lorsqu'il souffre. C'est ça un grand. Et Dieu veut nous voir grands. Dieu veut nous voir mûrs, matures. La femme de Job. Nous souffrons, injurions Dieu. Nous souffrons, mais vivons plus bien avec les gens. Comme nous souffrons, répondons mal aux gens. Comme nous souffrons, ne donnons plus nos offrandes. Je souffre, pourquoi je dois payer encore les dîmes? Je souffre, pourquoi je dois donner encore les offrandes? Même si tu souffres, persévère dans ton intégrité. Perseverare divinum est. La femme de Tobie, elle, son mari, est devenu aveugle. C'est dans le livre de Tobie, nous sommes au chapitre 2, 10 à 14. Son mari est devenu aveugle. C'est elle qui se débrouille pour nourrir sa maison. Un jour, elle revient à la maison avec une chèvre. Son mari lui dit, ma femme, cette chèvre-là vient d'où? Non, j'ai travaillé, on m'a donné. Non, ma femme. Le mari ne l'a pas comprise. Et le mari a commencé à insister. Si c'est la chèvre d'autrui, va remettre. La femme finalement s'est fâchée. Et qu'est-ce que la femme lui dit? Dans sa colère. Elle lui dit, où sont donc tes aumônes? Où sont tes aumônes? Où sont donc tes bonnes œuvres? Tout le monde sait ce que cela t'a apporté.
quelqu'un qui souffre. Bon, la femme aussi s'est débrouillée. Le mari aussi est en faute parce que la femme s'est débrouillée à amener une chèvre. Et le mari a dit, la chèvre vient d'où? La femme dit, non, non, j'ai travaillé, on m'a donné. Le mari dit, non, non, si c'est la chèvre d'autrui, il va remettre. La femme se fâche maintenant. J'ai fait des sacrifices ici pour toi. Je me fais souffrir. Toi, tu es devenu aveugle. C'est moi qui suis devenu l'unique maître de cette maison. Et tu me dis que j'ai volé. Toi, toi là. Mais où sont tes bonnes œuvres? Tu aidais les pauvres ici. Tu enterrais les morts. C'est toi. Maintenant, tu es devenu aveugle. Parle encore. La femme de Tobie. C'est l'exemple de tous ceux qui ne sont pas contents ni de leurs offrandes, ni des offrandes des autres. C'est-à-dire quand Tobie était en train d'aider les pauvres, de faire des aumônes, ça montre que sa femme n'était pas contente. Parce qu'aujourd'hui, Tobie souffre et elle lui rappelle. Mais tu faisais des aumônes, mais tu aidais les pauvres. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Tout le monde sait ce qui t'est arrivé. Il y a des gens ici, même vous qui êtes là, vous donnez des offrandes à Dieu. Et ne donnent pas. Mais ils sont là, vous regardez. Si un malheur vous arrive, ils vont dire, mais eux qui donnaient les offrandes là, regarde comment ils souffrent. Et eux qui payaient les dîmes là, ils sont où aujourd'hui? Femme de Tobie. Où sont mes aumônes? Où sont mes offrandes? Mais aussi, la femme de Tobie, c'est l'exemple de l'église qui regrette ses propres offrandes. Parce que cet argent-là, c'était l'argent de Tobie, mais c'est aussi l'argent de la famille. Maintenant, quand on est dans la souffrance, on commence à regretter. Ah, mais on donnait des offrandes. Aujourd'hui, Dieu nous laisse. Comme cette dame dont je vous ai parlé, qui me disait, Monsieur l'abbé, j'ai donné mon offrande dimanche. Notre communauté a offert le dimanche. Nous avons donné beaucoup de bonnes choses le dimanche. Et lundi, mon enfant tombe malade. Comment expliquer ça? Donc pour elle, hein, comme elle a donné les offrandes, elle a corrompu Dieu. J'ai donné des offrandes, donc je ne peux pas souffrir. Ma fille ne peut pas tomber malade. Bien-aimée, femme de Tobie. Ce n'est pas ça. Même si tu as donné des offrandes, même si tu es fidèle à payer tes dîmes, un malheur peut t'arriver. La Bible dit, malheur sur malheur pour les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le problème n'est pas le malheur qui t'arrive. Le problème, c'est le Seigneur qui va te délivrer des malheurs. Et Dieu qui va te souvenir de tes offrandes. Le psaume 20 dit qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Tu ne perds pas ton temps. Le Dieu que nous prions, femme de Tobie, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui se souvient. Si l'ordinateur se souvient, l'ordinateur, les téléphones ont des mémoires. Dieu a une plus grande mémoire et sa mémoire a une très grande capacité, une capacité infinie. Tout ce que tu fais pour lui, lui qui dit, il nous récompensera pour un verre d'eau fraîche. Dieu te récompensera pour tes aumônes, pour tes offrandes. Il n'y a rien qui soit parti pour rien. Dieu te payera, Dieu te payera. Si nos états africains, qui sont généralement des états voyous, payent quand même, même s'ils payent mal. Je te dis que Dieu, il est plus grand que tous les états du monde. Il te payera. Il te payera, tu ne perds pas ton temps. Il payera tes montées et tes descentes. Il payera tes sacrifices. Il payera tes offrandes. Il se souviendra de tes dîmes. Femme de Tobie, ne pleure pas. Ce n'est pas du gaspillage. Toi, ma fille, qui est engagée à la chorale, malgré les problèmes que tu peux rencontrer, malgré les difficultés que tu peux rencontrer, tu as un Dieu reconnaissant, un Dieu qui a un livre de souvenirs. Il a les mémoires, un livre de mémoires où sont notés le bon petit geste que tu fais. Ne pense pas que Dieu retient seulement les mauvaises pensées, les mauvais petits péchés, les petits péchés que tu commets. Dieu se souvient de toutes tes petites bonnes œuvres. Il les écrit. Elles sont écrites en lettres de feu dans son livre de souvenirs. Et là, il a retenu. Il va te récompenser. Lui qui a dit, pour un verre d'eau, tu ne manqueras pas ta récompense. Tu ne perds pas ton temps. Tu ne perds pas ton temps. Persévère dans les bonnes choses. Même si les gens sont ingrats, même si ta femme est ingrate, même si ton mari est ingrat, même si les hommes que tu rencontres ne te sont pas assez reconnaissants.
Oh, il y a un Dieu qui est reconnaissant. Il y a un Dieu qui donne une valeur d'éternité, même à nos plus petits gestes. Il leur donne une valeur d'éternité, car un petit geste peut faire entrer quelqu'un au ciel. Le bon larron sur la croix, il avait tout fait. Toute sa vie, il avait passé en faisant le mal. Mais à la dernière minute de sa vie, il a posé deux bons gestes, deux petits bons gestes. Il a d'abord donné des conseils à son ami. Et puis il a fait une prière. Et pour ces deux bons gestes, alors qu'il avait commis des milliers et des milliers de méfaits, des milliers et des milliers de crimes dans sa vie, Dieu a oublié ses nombreux crimes et il s'est souvenu de ces deux bons gestes. Le bien que tu fais a une valeur d'éternité. Fais le bien, ne te lasse pas de faire le bien. Tu aides les pauvres, aide-les. Tu payes les Minerval à cet enfant ingrat, continue à payer les Minerval. Tu donnes tes offrandes, tu ne vois pas encore la main de Dieu. Ne te fatigue pas, continue à donner. Tu payes tes dîmes, ne te lasse pas, quelle que soit la longueur de la nuit. Le soleil s'élèvera. Et la femme de Tobie, je ne sais pas comment elle est devenue après, à la fin de cette histoire. Parce qu'à la fin de cette histoire, Tobie a été restauré. Ses yeux ont été guéris. Nous avons un Dieu puissant. Acclamons-le. Oh, il est bon. Et le dernier exemple que je donne, c'est celui d'Ocosias. Ocosias, lui est roi. En son temps, il y a Élie, un grand prophète, qui prie et le feu du ciel tombe sur la terre. Mais Ocosias refuse de consulter Élie. Il est tombé de son balcon, il est malade. Il a connu une grave fracture. Mais au lieu d'appeler Élie, il n'appelle pas Élie. Parce qu'Élie est un prophète dur, est un prophète qui disait la vérité. Il préfère aller consulter Baal-Zébub, le dieu des crans. Il avait un prophète puissant. Il avait un prophète puissant. Parce que dans ce prophète, il y avait la parole de Dieu. Mais il a refusé de le consulter. Il est allé consulter Baal-Zébub. Ocosias, roi, Élie était là. Il va consulter. Il ne persévère pas dans les dieux de ses ancêtres. Il croit que le dieu qui va l'aider, c'est les dieux, c'est Baal-Zébub, dieu des crans. Mais il est mort. Le texte dit que finalement, Ocosias est mort. Bien-aimé, que cela ne t'arrive pas. Même si tu es tombé de ton piédestal, tu es tombé de ton balcon, même si tu as des problèmes, ne va pas chez un féticheur. N'entre pas dans la magie. N'entre pas dans l'occultisme. Oh, comme ça ne va pas, je vais voir un marabout. Non! Il y a des solutions ici. Il y a des réponses ici. Il y a un Dieu en Israël. Il y a un Dieu ici, à la paroisse universitaire. Il y a un Dieu qui répond. Il y a un Dieu qui exauce les prières. Oh, ce que tu n'as pas, regarde à gauche, à droite. Quelqu'un là, tu cherches du travail, quelqu'un le travaille ici. Tu cherches des enfants, quelqu'un en a ici. Tu cherches une voiture, quelqu'un en a ici. Tu veux voyager, il y a des gens qui voyagent ici. Tu cherches des mariages, il y a des gens qui se marient ici. Certains vont se marier le mois prochain. Donc ça signifie que le Dieu qui est ici agit. Le Dieu qui est ici agit. Il y a un Dieu ici. Il y a un Dieu ici. Et ce Dieu est puissant. Il a des réponses. Ne va pas chez Baal-Zébub. Chez Baal-Zébub, il y a des gens qui se plaignent. Ceux qui sont chez Baal-Zébub, ceux qui sont à Écran, se plaignent aussi. Ne les envie pas. Tu ne connais pas leur vie. Reste attaché à ton Dieu. Ne cherche pas de nouvelles expériences que tu ne maîtrises pas. Oh, je vais entrer dans l'occultisme. Oh, je vais aller chez tel marabout. Tu sais ce que le marabout pourra faire sur toi et qui te liera pour toute ta vie. Ne fais pas ça. Ne commets pas cette erreur. Reste auprès de Dieu. Même si la situation est compliquée, même si les choses ne marchent pas, Ocosias est roi. Il néglige Élie. Ne néglige pas ton prophète. Ne néglige pas ton prophète. Élie était là. Élie était prophète. Mais Ocosias a douté de lui. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait penser que
que si nous avions un prophète comme Élie, nous tous nous croirions en lui. C'est faux. Même Élie, le roi Ozias, a douté de lui. L'incrédulité est aussi vieille que le monde. L'incrédulité est aussi vieille que le monde. Oh, on m'a raconté ceci sur mon prophète. Je commence à douter. C'est ton problème. Ozias était roi. Il a douté. Il a douté d'Élie, le grand prophète qui faisait descendre le feu. Même si tu vois le feu descendre du ciel, si tu n'as pas la foi, tu ne croiras pas. On peut tout te dire. Ils ont vu le feu descendre du ciel, mais ils ont douté. Ozias, dans sa maladie, il a dit non, non. Moi, ce prophète Élie ne peut rien pour moi. Ce prophète Élie est impuissant pour mon cas. Il ne peut pas résoudre mon cas. Je vais aller voir Baal-Zébub, les dieux d'écran. Il avait les yeux fermés. Il ne pouvait pas voir la grandeur de ce Dieu. Ozias, tout roi qu'il était, il n'avait pas vu, lui, le feu qui était tombé du ciel. Il n'avait pas vu. Il continue à douter. Il dit non, ces feux-là, c'est faux. Ce sont des histoires que les gens racontent. Élie n'a rien. Moi, je vais aller consulter Baal-Zébub. Persévère. Il y a un Dieu en Israël. Il y a un prophète en Israël. Il y a un prophète chez toi. Catholique, il y a des prêtres. Oh, je vais voir tel prophète. Catholique, il y a des prêtres chez toi. Catholique, il y a des prêtres dans sa maison. Dans ton église, il y a des prêtres. Quand tu as un problème, va les voir. Ah, tu vas dire non, nos prêtres sont comme ça. Nos prêtres font ceci. On nous a raconté ceci sur nos prêtres. Mais tu ne vas pas au Ozias. C'est au temps d'Élie, hein? Le feu est tombé du ciel. Mais pourquoi Ozias est allé consulter Baal-Zébub? L'incrédulité est la chose la mieux partagée à travers les siècles. Si tu es incrédule, Jésus a ressuscité les morts. Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a fait des miracles, mais on l'a tué. Si tu n'as pas la foi, même si Lazare ressuscite, tu ne croiras pas. Si tu n'as pas la foi, même si tu traverses la mer Rouge, tu ne croiras pas. Tu continueras à douter. Moïse les a aidés à traverser la mer Rouge, non? Mais est-ce qu'ils ont cru en lui? Ils n'ont pas cru. Ils ont commencé à dire non. Mais lui, s'il est homme de Dieu, pourquoi il bégaye? Il bégaye pourquoi? Il bégaye pourquoi s'il est homme de Dieu? Lui, homme de Dieu, il bégaye. La petite bête, pour ne pas croire, existera toujours. Tu l'auras toujours. Tu auras toujours une petite raison. Oh, tel, je vois M. Labbé, il est avec telle personne. Mais cette personne-là, ça fait des années qu'elle n'est pas guérie. Elle souffre toujours. Cette personne-là, tu ne sais pas pourquoi il est à côté du prêtre. Pourquoi il est à côté du prophète. Géasi était à côté d'Élisée. Mais Géasi n'avait pas vu la grandeur d'Élisée. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Ne te compare pas à tel et à tel. Oh non, mais l'autre est là. Il est souvent avec l'homme de Dieu. Mais sa situation n'est pas encore résolue. Donc, moi aussi, comme je vais là-bas, j'aurai des difficultés. C'est son cas. C'est son cas. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Tu n'es pas lui, il n'est pas toi. Nous chantons. Chantons. Terminons par là. Papa, mon thème. Et ton dis, ami, n'a pas ça, n'a yoé. Chantez. Hallelujah. Je dis à mon âme, cherche le Seigneur. Oui, mon esprit donne ses
Tu as commencé par l'esprit. Continue par l'esprit. Achève par l'esprit. Ne fais pas demi-tour. C'est le diable. Il veut te distraire. Tu es venu chercher le salut. Tu es venu chercher le salut. Il y a des réponses.